Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo lookbook. Je sais que vous aimez bien ça. Mais aujourd'hui, c'est surtout pour vous présenter deux sacs que j'ai reçus, que je vais vous montrer juste après. Mais déjà, merci beaucoup à cette marque. On est donc sur une marque qui se nomme Sinbono. J'espère que je prononce ça bien. Ce sont des sacs qui sont réalisés en matière plastique recyclée. C'est-à-dire qu'ils vont prendre tout le plastique qu'ils retrouvent et ils vont en faire des sacs. Je trouve ça incroyable. En plus, ce sont de super beaux sacs. Ils sont faits en Chine, mais, je vous vois venir. Ils sont réalisés dans de bonnes conditions, c'est-à-dire que les conditions humaines sont bien vérifiées. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. J'ai demandé, j'ai communiqué avec les personnes de cette entreprise. Donc voilà. On est vraiment sur des sacs super bien de A à Z, matière recyclée, bonnes conditions humaines, de beaux sacs. Donc comme vous avez pu voir sur les images, j'en ai reçu de couleurs complètement différentes. Le premier marron, le deuxième bleu hyper pétant, flashy. Le bleu parce que ça change énormément niveau couleur. Je n'ai pas de sac aussi pétant que ça, j'ai mon petit rose derrière. Mais voilà, là le bleu c'est hyper original en sac je trouve. Et vraiment la coupe, on adore. Enfin la forme, vous voyez ce que je veux dire. Très joli, j'aime trop. Il fait classe. Mais en même temps, tu peux mettre ça dans une tenue pas trop chic non plus. Donc voilà, on adore. Et le deuxième, on est sur un petit sac marron. Pourquoi marron? Parce que j'adore le marron. On est sur une tendance actuelle. Marron, beige, toutes les couleurs nude, qui revient quand même assez souvent. Et donc là, je me suis dit, bon, bah allez, petit sac marron, je n'en ai pas. Donc bah voilà, je suis trop contente. Encore merci beaucoup à cette marque. Et donc, je vais vous proposer trois looks avec le sac marron, trois looks avec le sac bleu. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Pour ce premier look, je mise surtout sur le gilet. Un gilet marron Adidas vintage qui tire un peu vers le prune. En tout cas, je l'adore. Avec le trench vintage également de chez Emmaüs, beige avec marron, on adore. La ceinture blanche, toujours de chez Emmaüs. Et le pantalon, c'est un jean que j'avais trouvé au pop-up store au MyFrip à Laval. Pour le deuxième look, j'ai voulu mettre en avant justement le sac bleu, donc un total look noir. La veste, c'est une veste qu'on m'avait donnée. Le petit débardeur, il était à ma maman, je crois, quand elle était un petit peu plus jeune. Et pour le pantalon, on est sur un pantalon noir basique que je vous avais montré dans un haul que j'avais trouvé chez Dingfrang. Alors pour ce look, ceux qui ont vu ma dernière vidéo dans mon dernier vlog, vous avez sûrement reconnu le petit pull sweat universitaire que j'adore. Et je trouve qu'il se marie super bien avec le sac marron, une petite chemise pour faire un peu type écolière et ça passe super bien. Je ne sais pas si je porterai ce look en ces temps-ci avec la pluie qu'il y a, mais en tout cas j'aime beaucoup le rendu.
une petite robe que j'avais trouvée chez Dingue Fringue, la ceinture chez Emmaüs il y a même l'année dernière je crois, et toujours le trench, on adore. Et puis bah le sac bleu, ça relève vraiment la chose. J'aurais pu aussi mettre le marron, mais je trouve que le bleu ça pète et c'est encore plus original. Toujours si vous avez suivi mon dernier vlog, cette veste, vous la reconnaissez forcément, je l'adore, je la porte très souvent. Donc elle vient aussi du pop-up comme le jean et le sweat Home et Fripp qu'il y avait à Laval. Une petite chemise autrichienne qui a été croppée par une friperie et puis bah un jean boycott. Pour cet outfit là, je me suis dit que ça pouvait être sympa de croiser plusieurs matières. J'ai donc mis une veste en plastique, clairement, très brillante, vinyle on pourrait dire je pense, avec une jupe en cuir. Et je trouve que ça fait hyper sympa pour une soirée, ça pourrait être vraiment cool. Je sortirais pas forcément dans un jour banal comme ça, mais pour une soirée ça peut être sympa avec des docs, j'adore. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle tenue vous avez préférée, quel sac vous préférez. En tout cas, j'espère vraiment que vous aimez ce genre de format lookbook. J'ai essayé de suivre un petit peu vos conseils au niveau des lookbooks, comment vous les préfériez, tout ça. Donc voilà, dites-moi ça dans les commentaires, vos retours, je lis tout. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, à bientôt pour un haul, un vlog, je ne sais pas. Bref, allez sur Insta, vous verrez tout ça. Gros bisous.